Je suis là. Cadeau. Ah, t'as pas lâché ton arme. Ils sont deux. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que je le traîne jusqu'à un endroit où il y a des gens. C'est parti. Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands 2. Tellement de Goliath. L'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir tous se taper les uns les autres. Et il n'en restera qu'un, comme dirait Denis Brognard. Ouh, très bien. C'est déjà brutal, donc tu peux décéder. Même assez cool en vrai. Ouh, plus de munitions déjà. Celui-là aussi, je l'ai eu. Encore. Encore. Non, pas moi. Ah, salut. Ah, deux secondes. Voilà. Défonce-le. Allez, vas-y. Ça, c'est mon poulain. Non, ils l'ont eu. Salaud. Aïe. Il en reste qu'un, mais bon, pas grave. Je récupère un petit peu de... Aïe. Allez, décède. Voilà, c'est bon. Wouh. Toi, je t'aime. Toi, je t'aime. Hurlez. Pas sentir bien. Je les rends un petit peu plus caves. Plus. Brutal, ça y est. Je crois qu'il est sur moi, hein. Merde. T'es un fantôme dans la brume. Toujours l'arme au poing. Hop là. Cette fois-ci, j'ai pas me faire avoir. Cette fois-ci, la caisse est à moi. Donne. Bah. Merci. Et en plus, ils sont tricky à ouvrir, what the fuck. J'ai de l'entraînement. Très bien. Tout ça pour ça. Alors, c'est toi, l'incinérateur? Bonjour. Je suis l'incinérateur Clayton. Et toi, tu as pénétré dans l'antre du faucon ardent et tu en as réchappé. Pour servir notre mère à tous, tu vas devoir subir une épreuve. Utilise une arme incendiaire sur mes frères. Afin de les envoyer dans les flammes éternelles. Puis récupère leurs cendres et rapporte-les-moi. Ok. Brûler vif des gens, c'est plutôt douteux, mais c'est bien ce qu'ils réclament. Ils sont pas nets, mais bon. Fais ce qu'on te demande. Ok. Parti. Ah ben non, je viens tous de les tuer par là. Ah, il y a des gens. Toi, tu vas être mon joueur en vélo ambiant. Toi, c'est la raison de ton étude. Ok, bon bah, une.
2, ramène-moi. 3, qu'y a-t-il de plus formidable qu'un tas 4, de cendres ? Rien ! Rien du tout ! Et 5, cool, j'ai eu les 5 personnes que je voulais. Jeune torche, je sens que le faucon a jeune apprenti. Viens me livrer les cendres. Voilà, les cendres. Ces enfants connaissent une extase dont je ne peux que rêver. Merci, torche. Tu ne vénéras d'autres dieux que le faucon ardent, pardon. D'accord. That is God, je mets mon point. Voilà. Des idolâtres sont parmi nous. Des enfants qui ont trahi leur seule vraie mère, le faucon ardent. D'accord. Ils adorent un demi-dieu païen du nom impie de brûlure. Je t'implore de détruire cet imposteur et tous ses disciples. Comptez sur moi. Si tu trouves quelqu'un d'autre à adorer. Écoute, joue le jeu. Clayton doit avoir toute confiance en toi. C'est notre seule chance d'apprendre s'il projette quelque chose que nous devons empêcher. Bah écoute, je vais le jeu. Pas parce que je suis forcé, hein, mais parce qu'on me l'a demandé. Ok. Je croyais qu'on devait s'en débarrasser, mais j'ai l'impression qu'elle s'amuse bien, la petite Lilith, hein, quand même, là. Hein. Oula ! Où es-tu, bro lourd ? Ah, d'accord. Une grenade ! Ok, t'es violent. Non, je l'ai raté. Ça, c'est la balle, ça, ouais. À la limite, ce qui est le plus chiant, c'est que je peux rien faire. Vos yeux sont menteurs. L'illusion vous trompe tous. Je vais vous avoir. Wouhou ! L'idole sacrilège n'est plus. Je sens le sourire du faucon ardent qui nous illumine. Toi aussi, jeune torche. C'est un drôle de culte. Mais je dois avouer que j'ai trouvé plutôt flatteur qu'il tue ce faux dieu pour moi. Oh, je suis trop narcissique. Ouais, un peu, ouais, je confirme. Ok, ça c'est fait. Les gens sont dingues, mais on ne les a vus faire de mal qu'à eux-mêmes et à ce brûlure. On peut peut-être les laisser vivre en paix. Brûler l'allumette. Le grand embrasement est proche, torche. Mais le faucon ardent m'a parlé dans mes rêves et a demandé un autre sacrifice. C'est parti. C'est même pas vrai. Que son fils préféré soit brûlé vif, le nabo du nom d'allumette. À toi de le conduire jusqu'au Soaring Dragon dans le Southern Shelf et de le projeter dans les mâchoires de cette grande bête mécanique. Aha. C'est là-dedans que je dois le mettre. D'accord. Pas de soucis. J'imagine que je vais devoir l'attacher au bout du pic. Puis qu'après, il va lui arriver des choses. Je suis presque jaloux. Presque. Oh, c'est trop aimable. Ouais, là, je vais vraiment mettre les pieds dans le respect, par contre. Hein. Ouh, ça doit faire mal. Hop là. Si elles sont vraiment toutes passées autour de lui, elles sont vraiment toutes passées autour de lui. Et je disparais. Et je disparais. Dans la brume, toujours l'arme au poing. Bisous, maman. Bisous. Permets, j'ouvre. Un bleu. Permets. Ok, comme ça on est sûr qu'il est mort. Tu sais, si tous ces tarés veulent passer leur temps à se brûler les uns les autres, on devrait peut-être leur foutre la paix. Mais non, allumette, vas-y. Arrive, l'heure approche, nous serons ensemble, faucon ardent. Enfin, nous serons ensemble. Va jusqu'aux commandes de l'incinérateur et fais ce qu'il réclame après tout. Oui, bah écoute, pas de soucis. Hein. Je sens ton étreinte, faucon ardent. Je t'aime tant. Oh, c'est grave. Ça fait bizarre quand même. Ouais, je peux comprendre. Que ça fasse bizarre. Tu m'étonnes.
Ok, après des millions de kilomètres, à pied. Merci, Torche. Nous rejoindrons bientôt à l'U... C'est l'heure du grand embrasement. Oh putain! Nous allons sacrifier les païens à notre mère incandescente. Ouais, ouais, elle est cool, ta vie. Il est pas tant que ça. Clayton a parlé du grand embrasement? Ça sent pas bon. À moins que ce soit juste une sorte de barbecue. Il faut garder un esprit ouvert, tu sais. Ces gens ne sont pas si mauvais. Oui, ils sont pas si mauvais. Ils brûlent des gens, ils en sacrifient d'autres. Tout va bien. On a connu pire. À la limite, si je peux... Oh putain. Te débrouille à merveille, Torche. Après le grand embrasement, nous reposerons tous contre la poitrine chaleureuse du faucon ardent. Ah, cela dit, je dirais pas non. Hein. C'est vrai que tu me le proposes comme ça, mais je dis pas non, hein. Clairement. Il est là-bas. Oh, tellement de précision! Reviens me voir et que commence le sacrifice humain! Quoi? Ça craint carrément ce truc. Mais merde, pas j'étais. Ce grand embrasement. Il s'est téléporté! Je ferai une apparition. Fais gaffe. C'est dégueulasse, il se téléporte en plus. M'insurge. Ce n'est pas honnête. Ok, il y a carrément deux Lascaux voilà. Cette fois-ci. Ce qui ne me dérange pas, hein. Il est tellement pété. Il reste à savoir laquelle des deux est la plus pétée. Laquelle des quatre maintenant est la plus pétée. Coucou, incinérateur! Aïe! Hop! Dans deux secondes, grand incinérateur, il y a un petit peu de monde. Je m'occupe d'eux et je suis à toi. Il y a un tout petit peu de monde un peu partout. Et ma famille, t'as rien fait? Étrangler ta famille, qui me dit lui. Assassin de la police. Même si je n'ai personne dans ma famille qui fait partie de la police. Bonjour. Ok. Très bien. Ces pauvres imbéciles de sanctuary ignorent la grandeur du faucon ardent. Ouais. Leur existence est sacrilège. D'accord. Attention les yeux, je fais mon entrée. Ouh, oui, vas-y. Votre déesse est arrivée et elle est très déçue. Chasseur de l'arche, je vais ramener ces civils innocents à sanctuary. En attendant, punis ces tocards. Ouh. Bah... Ça aurait été... Ça aurait été encore plus rapide. Oui, j'ai tombé une Lascaux avec une blade là dans la grotte là-bas. Deux kilos de barbac avec ça. Je suis pas si maigre. Ramener les sacrifices humains à Sanctuary. Tu as super bien géré cette histoire de culte. Ouais, je sais. Je te jure, être une divinité, ça craint. Mais non. Ouvre-toi la vie, chasseur de l'arche. Oui. Oui, vénérez le chasseur de l'arche. Vénérez le chasseur de l'arche. Vénérez-moi. Oups. Reviens. Reviens voir. Oui, il y a pas d'ordre. Hop là, ça c'est fait. Bon bah du coup, retour à Sanctuary. Le problème c'est que j'ai fait des millions... Là, pour cette mission, je suis à 50 minutes. Qui vont se passer en quoi? En 3 minutes de vidéo? 4 minutes de vidéo? Tellement il y a de marche. Tu as déjà simulé ta propre mort? Non, jamais. Pas facile.
Je l'ai fait il y a 2 ans pour semer les tueurs d'Hyperion, mais apparemment, un bandit m'a espionné tout ce temps. Et il compte tout dire à Hyperion, sauf si tu l'élimines avant. Vendu ! Alors, où que c'est que c'est ? Ici. Ah ! Beware Skag ! Oh ! D'accord ! Ouh, le gros. Skag des neiges alpha. Oum. Bon bah, écoute, bol. Excuse-moi, j'ai un peu de mal à te buter. Voilà. Regarde. Ah oui ? Monsieur Paul, chez Hyperion, nous sommes sceptiques. La mort de la hors-la-loi Lilith a été confirmée après la libération de New Haven. Nous devons donc écouter vos enregistrements avant de procéder au paiement. Laissez ces messages écho dans les endroits mentionnés ci-après. Trouve ces échos. Si Hyperion découvre que je suis en vie et avec les pillards écarlates, il risque de nous refaire le coup de New Haven. C'est parti! J'adore cet endroit. Hyperion t'y retrouvera jamais. Merci. J'ai essayé de le rendre aussi... L'ec possible? J'allais dire ravissant. T'as attaché les cadavres carbonisés de bandits autour de l'entrée. Certains cadavres sont ravissants. J'adorais notre maison à New Haven. Il faut que j'y aille. Bien joué. Ah, il a du mal avec sa vie de couple. Mince alors. Voilà, si c'est là. Alors, qu'est-ce qui est si urgent? J'ai liquéfié un type. Redis ça. Je chassais et j'ai trouvé un peu de cet iridium machin chose. Et un de ses adorateurs dégénérés m'a vu. Alors je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé et il s'est... Liquéfié? C'était... incroyable. Je ne sais pas si c'est à cause de l'ouverture de l'arche ou parce que je suis une sirène ou les deux, mais j'adore cet iridium. T'as l'air un peu pâle. Ouais, je me suis évanouie plusieurs fois. Mais ça pourrait tout changer. Ok, mais pourquoi tu m'as pas juste envoyé un écho? Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici en prenant le risque qu'Hyperion découvre que tu travailles encore avec les pillards écarlates? Comment tu vas? Je m'en vais. Ok. Ah, il a vraiment un vrai problème avec sa vie de couple, hein. C'est quoi, c'est une vanne? Et moi, direct, je vois un truc, je veux lui tirer dessus, là. Restez couché, c'est pas grave, je vais juste... Ah oui. Pouf. Jack les a laissés pour mort dans la neige, c'est sûr. Les pillards ont toujours besoin d'aide. Tu devrais partir à leur recherche. Un nouveau chasseur de l'arche, hein? J'essaierai de prendre contact par écho quand je rentrerai à Sanctuary. Parfait. Ouais, bah écoute. Alors tu peux partir. Quoi? Pardon? Je viens d'arriver. Je suis un peu débordée à faire la guerre toute seule contre tous les bandits de la toundra pour que toi, tu puisses te concentrer sur Jack. Mais tu sais, je peux aussi laisser tomber mon truc du faucon ardent et les sans-pitié prendront Sanctuary. Non, non, tu as raison, bien sûr. Tu es sûr? Je peux te faire un chocolat chaud. On parlera des gars. Je repasse quand j'aurai trouvé ce chasseur de l'arche. Ouais. Désolé de... Désolé. Ouais. Et là, il était quand même pas terrible, hein. Ok. Tundra Express, il y aura plusieurs choses à faire. On va aller refaire les dissidents ninja. Il faut savoir se faire désirer. C'est dans la poche. Ah bon. D'accord, ok. Bah écoute, si... Pourquoi pas? Les femmes, c'est vraiment un putain de mystère quand même. Oh, il me faut du vrai, hein, du vrai loot. C'est 3 fois du vrai loot ou la première fois. Ou les 3 fois. Mais par contre, ça, c'est nul. Ça, on a du loot. Du loot vert, quoi. Ok. Allez, fais péter. Et merde. Bon, bah, tant pis. Prends la pizza. Bien. Pour une raison qui m'échappe, les évadés ne résistent pas à l'appel de la pizza. Attirez-les avec cette pizza et zigouillez-les. Retire-moi, ma petite dame. D'abord, je vais rendre les quêtes. C'est la mission sur les tortues ninja. Je le sais.
Tortue ninja. 4 tortues d'enfer dans la ville. Chevalier des cahiers de vinyle. Oui, bonjour. Culte mon cul, des incultes, oui. Ah, il est joli, donc... Ah. Merci. Moins Hyperion en sait sur moi, mieux c'est. Cool. Tu n'as pas... écouté ces échos que c'est... Non, j'ai rien écouté du tout, je te rassure.